Ah oui. Alors ça, c'est, je l'ai entendu exposer une ou deux fois par Uri à propos de la topographie ou même de la géographie de la Borde. Il dit que le château, hein, la clinique se trouve au centre d'un territoire qui est marqué sur de quatre côtés, donc les quatre points cardinaux, par des lieux ou des bâtiments. Alors, oui, là ce serait, là c'est l'est. Donc, à l'est où nous sommes, là, c'est la serre et le jardin. À l'ouest, c'est la salle de spectacle. Est. Au nord, c'est le poulailler et les chevaux. Et au sud, c'est la garderie. Donc des points qui sont à peu près les quatre équidistants du château lui-même. Et par rapport au déplacement des pensionnaires, ces quatre points, c'est en quelque sorte des points de relais. Si je pars du château en marchant devant moi, je vais à partir à un certain moment arriver sur un de ces points. Par exemple, si je pars du château, que je viens vers ici, vers l'est, je vais arriver ici, qui est un point de relais, de repos, de rencontre éventuellement. Et peut-être aussi par rapport à celui ou celle qui est partie, qui ne s'est pas s'arrêtée, c'est aussi un point d'arrêt. Alors avant de passer à la schizophrénie, je voudrais rappeler une phrase de Freud qui malheureusement est tombée dans les oubliettes. Je ne sais pas d'où je la sors, mais je la connais par cœur. C'est « Nous appelons comportement normal ou sain un état qui réunit les deux états,
qui, comme dans la névrose, supporte la réalité et qui, comme dans la psychose, voudrait la transformer. Pour ça, c'est difficile de parler de maladie. Tout le monde a un petit vélo dans la tête. Alors, la maladie, c'est quand vraiment ça fait des troubles trop graves. Dans la société, dans la famille. Mais plutôt que de maladie, je parlerais de troubles psychiques. Parce que c'est pas les gens qui ont perdu l'intelligence, c'est pas les gens qui ont perdu la mémoire, mais il y a un espèce de processus schizophrénique qui bloque tout ça. Alors, quand la schizophrénie, c'est difficile à définir, ça dépend à qui on se réfère. Bon, moi, je me réfère toujours à Boehler, qui est l'inventeur de la schizophrénie. Avant lui, on appelait ça démence précoce. Il n'est pas inventeur de la schizophrénie, mais des schizophrénies. Et avant lui, on appelait ça des démences précoces. Qui dit qu'il y a un processus X, organique ou autre, précise bien que ce n'est pas forcément organique, qui produit les symptômes primaires, comme la spaltung, une certaine apathie, ou au contraire, une certaine agitation. Et puis il y a les symptômes secondaires qui sont réactionnels à l'ambiance familiale ou institutionnelle et à la personnalité primitive. La personnalité primitive se défend comme elle peut contre ce qui la frappe. Je voulais dire aussi, j'ai le sentiment aussi qu'on parle peu de la souffrance, quoi, que ça représente à longueur de jour. C'est vrai. Parce qu'il faut qu'il s'en arrange de ça quand même. Il y a une souffrance, il y a une souffrance à dire, il y a une souffrance à exprimer. Il y a une souffrance avec un corps figé. Comme Noël, par exemple, qui cherche des réponses dans les livres de philo. Évidemment, elle n'en trouve pas. Et elle a du mal à lire. C'est comme si l'intellect était bloqué. Mais il n'est pas détruit. Il est bloqué. Ça, je crois que c'est très important. Comme dit Jean-Henri, le désir inconscient ne meurt jamais. Indestructible. Il est indestructible, pardon. Et inaccessible. Oui, c'est ça. Inaccessible et... C'est la dernière phrase du livre de Freud sur la science des rêves. Et puis il y a une nouvelle traduction qui s'appelle l'interprétation des rêves. Et c'est la dernière phrase. Le désir indestructible. Et inaccessible. Ça c'est Uri qui te rajoute. Ah oui. Via Lacan, mais bon, Freud bien sûr. Savait bien que le désir était inaccessible. Mais ce qu'il dit surtout, c'est qu'il est indestructible.
Et c'est pour ça que parce que même des gens très atteints, je pense à Claude, au parc, on a tendance à le traiter en chose. Et on oublie qu'il a un désir indestructible et inaccessible. Je pourrais vous raconter, mais ça c'est encore plus ancien. Quelqu'un qui se faisait appeler Jésus-Christ du Mexique. Et puis, c'est pas moi qui le voyais. Mais tous les jours, il me remerciait pour ma main céleste. Qui devait ses somnifères, je suppose. Puis, là qu'un jour, un matin, 7 heures, j'étais de garde. Tombe par terre, crise cardiaque. Alors on essaie de le réanimer avec René Supplisson. Mais... Et alors on a fait une cérémonie à l'église. Mais voilà que tout le monde le connaissait sous le nom de Jésus. Alors chaque fois que le curé parlait de Jésus, tout le monde... Je n'en savais plus où ils en étaient. Il y a une phrase Binwanger que j'aime beaucoup. On a la manie ou la mélancolie de tout le monde, mais chacun fait sa schizophrénie. Par exemple, j'ai écrit récemment un texte sur ce qu'on appelle en psychiatrie la clinophilie, c'est-à-dire rester au lit toute la journée. Ben, ça a un sens. C'est pour retrouver quelque chose de soi-même, dans certains cas. Dans d'autres, bah oui, c'est du laisser aller. Mais du laisser aller parce qu'on les laisse un peu tomber. Pas assez de moniteurs ici et pas assez de moniteurs concernés. C'est dans ça qu'ils sont abandonnés. Comment? C'est dans cela qu'ils sont abandonnés, dans ce sens-là. Oui. Et puis il y en a qui lâchent les bras. Puis il y en a qui ne peuvent pas faire autrement, comme Claude ou Parc. Ce matin, je voyais Francis étendu tout son long sur la banquette de la salle d'attente. Il n'est pas abandonné, mais il s'abandonne lui-même. Il ne réagit plus. Enfin, il réagit en criant. Mais c'est des cris sans réponse possible. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se battent contre leur maladie ou qui essayent d'en faire quelque chose. C'est pas la majorité ceux qui abandonnent. Et puis on peut toujours les ressolliciter. Quelquefois ça marche. Pour quelques jours. Et après, faut recommencer. Pourquoi? Mais parce que j'aime bien. C'est la vie. Lui aussi.
Tu vas le chercher dans le chat? Tu reviens avec un chat? Non. Tu mets une claque, hein? Ouais. Bon, je vais venir. Oh, oh. Pardon. Mon ami m'avait dit, attention, il était freudien, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, freudien, lacanien. Il avait dit, devant certains publics, j'étais apparemment seul dans son cabinet là, à ce moment-là, mais il m'avait dit, pour Freud, la séance analytique en elle-même est une parenthèse. Mais Freud était sensible aux agissements et aux terrain d'activité qui était celle de ses patients.
Mais à un certain degré, ça peut être un crime. Puis vous pensez que le patient tient à sa vie par la voix de son maître, j'allais dire, par la voix de son psychanalyste, quand il baigne dans la société, il redevient quoi? Un être anonyme, filiforme, hein? Il se refait une santé pendant la séance qui peut durer 40 minutes. Mais j'ai toujours dit, moi j'ai toujours prétendu, quoi qu'on en dise, l'Œdipe, les parents, l'agressivité, tout ça, c'est difficile à définir. Et les mots qu'on peut dire en séance de psychanalyse sont difficiles à soutenir psychiquement. Parce que les parents que nous avons tous ont formé un lien qui se compte en milliers de petits actes quotidiens pendant 20 ou 30 ans, en dizaines de milliers. Et le psychanalyste, avec sa parenthèse, lui, il a une demi-heure dans son fauteuil, avec un bon fauteuil, il fait payer et il dit des choses qui, somme toute, ont valeur d'interprétation. Mais ça me crucifie maintenant. J'ai besoin de manger, d'un lieu pour dormir, de faire des courses, de rencontrer des gens. Tout ça, et c'est pas lettre morte pour l'analyste traditionnel, mais il en fait un cas. C'est la psychanalyse freudienne. Freud voyait ses patients tous les jours. Hein. Moi, je le voyais. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, je me soigne depuis 40 ans. C'est énorme. Ça signifie peut-être 40 ans de psychanalyse. C'est gigantesque. Et pourtant, je tiens debout que par, je veux dire, la grâce ou l'opération du Saint-Esprit. Hein, parce que vraiment, 40 ans, c'est énorme, c'est énorme. Même depuis 67, j'ai vu les premiers psychiatres. Je suis de 52, hein. Donc j'arrive à un âge, on prend la retraite. On prend la retraite. J'aurai sans doute de quoi vivre, donc, grâce à mes parents qui sont encore vivants. Mais l'antinomie qui fait qu'on va de ses parents conjuguer une psychanalyse avec une tierce personne qui peut ou non s'introduire dans la vie des personnes les plus proches et qui ont les moyens d'être, mais ça veut dire une intime si tu veux. Mes parents ne viennent plus depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je gère comme un pauvre air sur la façon, ici à la Borde. Ça fait 30 ans, jamais, ils ne viennent pas. Ils ne viendront plus. Il y a une parole qui est incommensurable, c'est que je suis en train de penser que peut-être ils ont ce mot définitif à la bouche qu'ils n'ont pas encore prononcé. Il est foutu. Il est foutu après 5 ans de psychanalyse, à 10 ans de psychanalyse à Paris, 30 ans à la Borde, c'est définitif. Il y a quelque chose à quoi ils résistent, les propres parents, hein, à quoi ils résistent avec une force qui défie tout entendement, c'est le caractère prolixe et singulièrement contradictoire de la psychanalyse. Pour mon père, se soigner, c'est un médicament qu'on prend. Et on va mieux après. Voilà. Soigner un patient qui est entré dans la psychose ou pas, je ne suis pas schizophrène. Hein. Alors je ne comprends plus du tout. Il y a eu des mélanges absolument absurdes. Peut-être psychotique, peut-être peu importe. Mais enfin, le lien entre les parents, leur enfant, je suis toujours un enfant, maintenant je suis père, leur enfant et puis le psychiatre qui est le docteur Henri sont sous plus bas niveau de dégradation absolue, désertifiée.
Bon, ce désert, je l'ai mis presque tous les jours au jour le jour. Nominativement, je le mis au jour le jour comme un désert qui croît sans cesse. Qu'est-ce que j'attends? Je ne peux plus attendre avec leur grand âge à ce que les choses changent radicalement. Comme dit Jean Houry, avec beaucoup de modestie et de prudence, c'est trop tard. Alors, j'ai l'impression de parler en pure perte, j'ai pas souvent l'occasion de parler, sauf à mes thérapeutes, sauf à mon thérapeute. Je le prends pour un thérapeute. Vous rendez compte, confier votre vie à un homme dont on sait qu'on va devoir le quitter pour des raisons qui ne sont pas arbitraires, mais qui sont choisies aussi par lui, en accord avec moi-même, sur des questions de fond. Mais les questions de fond ne sont pas réglées. Mes parents, ils attendent quoi? Moi, j'ai l'impression de vivre avec des spectres. Et ça me hante, ça m'habite. C'est effroyable. Tu es finalement? Je vais me promener en vrai. D'accord. Alors, t'as déjà fait l'anglais? Oui. Jusqu'à quel niveau? Moitié. Donc, c'est-à-dire collège? Oui. Troisième? Ou cinquième? Troisième. Troisième, d'accord. Bon, on va revoir des choses que tu as sûrement oubliées. Par contre, il faut un stylo. Mets-toi à côté de moi. T'arrives pas à écrire, j'ai écrit là pour toi là. D'accord. Tu peux lire ça? C'est pour quand tu rencontres quelqu'un. Oui, je peux prendre. Mais tu le lis? Contente de vous retrouver, John. Steve, je veux dire quoi? Je sais, Steve, c'est un prénom. Ah oui, d'accord. Non, si, je sais Lucie et Steve. C'est Steve. Donc je te présente Steve. Ici. Nice, agréable de vous retrouver, Steve. Tu dis un peu tout enchanté, hein? Enchanté, oui. Et c'est ce qu'ils ont dit le plus en français. Tu peux venir, moi aussi, tu peux venir? Oui, tu peux venir. Je suis malheureux. De quoi? Je suis malheureux, personne ne va. Ben, si. Mais si tu viens, ça ferait une personne de plus. Oui. Ben, t'es plus. Ben, viens pas, alors. Ben alors viens. Hein? Tu fais comme tu veux. Une fois. À vos ordres.
La mécanique quantique, la base de la mécanique quantique, c'est les quantas, c'est-à-dire les petites particules élémentaires qui sont en fait des ondes corpuscules, qui sont à la fois ondes et corpuscules. Les ondes, tout ce qui est ondes et corpuscules, c'est ce qu'on appelle les états de la matière. Les états de la matière dépendent de la mécanique ondulatoire appliquée. La mécanique ondulatoire appliquée est basée sur l'équation de Schrödinger. Schrödinger, c'est un physicien qui a existé il y a très longtemps. Je ne sais même plus en quelle année il était vivant, même ni mort, je ne sais plus du tout. Mais il a inventé une équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui est la base de la mécanique quantique. À partir de l'équation de Schrödinger, si on a toute une formule, on peut arriver à ce qu'on appelle une équation de la cancérogénèse, l'étude du cancer. Donc ça, c'est intéressant parce que actuellement, toutes les formules de la mécanique quantique qui sont étudiées pour le cancer dérivent de la mécanique quantique. D'accord ? Donc, à partir de cette équation de Schrödinger, il y a eu des calculs qui ont été faits par des mathématiciens, physico-chimistes et géologues ainsi que biologistes, et elles sont appliquées dans toute la science, quoi. Toute la science à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits notamment par Stephen Hawking, dont une brève histoire du temps, qui est un livre que je peux vous conseiller, qui est à lire, quoi. C'est un livre qui est intéressant, qui n'est pas très compliqué, que tout le monde peut lire. Bon, il a écrit des livres plus compliqués, qui sont moins intéressants, parce que c'est des maths pures, donc c'est moins intéressant. Il faut déjà un formalisme mathématique et physico-chimique assez élevé pour comprendre. Une brève histoire du temps, c'est simple, et même un enfant de 10 ans peut comprendre, quoi. La façon dont les gens vont jouer, pas même un morceau de piano simple, on reconnaît tout de suite quelqu'un qui se distingue d'un autre, hein, qui sait jouer ou pas. Hein. Même si un type a de la mécanique très... Oh, du... Et pourquoi ? Ça dépend comme il touche la note. Mais tout en gardant la mesure. Par exemple, je sais pas, ce qu'on appelle une barcarolle dans Chopin, par exemple. Classique. Barcarolle, c'est la mesure 6-8. Bon. On fait 6-8. Puis d'un seul coup, il met rebatto. Alors, rebatto, c'est un terme musical d'origine italienne. Rebatto, ça vient de voler. Voleur, en allemand, rauben. Rebatto. C'est-à-dire, c'est presque hors temps. Mais la façon... Moi, je dis souvent ça, la façon dont le pianiste va interpréter les rebatto, c'est là qu'on va voir si c'est un pianiste ou pas, un vrai. Il a toute liberté. Non pas qu'il va faire n'importe quoi, mais c'est pas le temps, un. Non, c'est comme ça. Et alors, c'est là qu'on va voir si vraiment il y a de la classe, quoi. C'est-à-dire, ne pas rester dans le rythme, mais pas forcément dans le temps de l'horloge. Et ça, c'est... Dans des trucs de Chopin, on trouve ça, puis d'autres, hein. Mais on trouve rebatto. Moi, j'attends le moment, comment il va jouer le rebatto, le mec. Et là, on voit que je suis... Une mécanique. C'est pas ça. Ça compte, hein. Quand de le dire. Et alors, de même pour dans des consultations, hein, comment que c'est mené? Si la consultation regarde sa montre et puis dit allez au suivant. Mais par contre, même sans prendre beaucoup plus de temps, on parle que de temps, hein, il y a quelque chose qui peut changer beaucoup. La façon de s'adresser à l'autre. Ou ce que j'appelle dans le piano, parce qu'en français on dit. Jouer du piano, ça ne veut rien dire, jouer du piano. En espagnol, on dit tocar, toucher. La façon dont on touche, c'est la même chose que dans la conversation avec quelqu'un. La façon du... D'ailleurs, on dit bien le contact. Ça vient de tact, toucher, qui est très variable. Il y a une façon... Il y a des types qui sont... obsessionnels, ils regardent leur montre, aller au suivant, aucun intérêt. Il ferait mieux d'aller se coucher, quoi. Mais par contre, de façon variable, tout en étant précise, ça c'est le temps. Je ne sais pas si c'est clair tout ça.
Mais et puis ça s'est fait comme ça. Le lendemain, j'écrivais ma lettre de démission pour l'entreprise où j'étais, sans mal d'ailleurs. Et puis une semaine après, j'étais à la Borne. Alors j'ai atterri ici. Je me dis mais bon, aucune connaissance. Moi, les seules choses que je connaissais de la psychiatrie, c'était envoyé spécial, attention les fous, leur laissez pas de couteau, ils vont vous planter quoi. En gros, c'est ça. Hein. Je sais, c'est très péjoratif hein, ce que je dis, mais c'est l'image qu'on donne au grand public, on va dire. Et donc j'arrive là, et Ori demande à me rencontrer pour voir un peu ce que j'avais derrière la tête, et puis je pense comment je voyais les choses. Et alors il me dit, bah présentez-vous. Alors je lui raconte un peu ce que je viens de vous raconter. Et il me dit, bah, c'est bien. Il me dit, c'est bien. Et puis, mais il me dit, bah, moi j'ai rencontré un pierreux dans le temps, je sais plus son nom d'ailleurs, mais un compagnon tailleur de pierre. Et il avait vraiment été marqué par cette rencontre-là, apparemment. Donc on en a parlé. Et puis à la fin de l'entretien, je me dis, mince, mais on n'a pas parlé de moi, comment je vais faire quoi ici, je comprends pas. Alors je lui dis, c'était une petite question quand même sur la fin, je fais mais comment ça se passe alors, moi je travaille où, avec qui, comment ben, il me dit où, il me dit, il doit y avoir une machine là-bas. Bon, donc je vois la toute petite machine, je me dis, je vais jamais y arriver avec ça. Et je dis, mais avec les pensionnaires, ça se passe comment? Il y a une liste de gens avec qui je dois faire attention. C'est vrai, moi je cherchais des marques. Je me suis dit, comment j'avance quoi? Et puis il me dit, non, je vous fais confiance, vous verrez. Bon, vous me faites confiance, je verrai. Alors là, je me suis dit, bon, comment je. Oui, d'accord, ok, je vais voir. Je parle bien? Ah, tu parles comme tu veux. On y va. C'est bon. Mais je voudrais parler d'un traitement que j'ai subi. En fait, ça s'appelle la présentation de malade. En fait, le malade on lui demande de bien vouloir participer. Et en fait, il est assis sur une chaise à côté d'un psychiatre et devant une foule. Enfin, une foule. Un groupe de gens, d'une trentaine à quarantaine, psychiatres, psychologues. Et donc, en fait, le psychiatre pose des questions au malade, qui répond. Et à travers tout ce qu'il dit, il cherche à établir un diagnostic. Donc, on passe un peu pour un con, pour un stupide, pour un malade, pour un fou. Et on ne peut pas se défendre. On peut pas se défendre. C'est terrible. Terrible. Bah, ton rapport avec les pensionnaires? Ouais. Ben, mon rapport avec les pensionnaires. Je sais pas si ça se fait devant la caméra, mais j'ai envie de te dire, Nazim, t'es l'une des personnes qui m'a piégé le premier. Il y avait eu le projet de faire un abri fumeur au parc. Et puis, dans une réunion de commission de gestion. Comité de gestion à la rotonde, on dit ah, bah, faut que tu sois présent parce que il y a des propositions d'abri pour d'abri fumeur devant le parc. Je dis bon, bah, d'accord. Donc j'arrive et puis là je vois un gars arriver avec son Mac ou son PC, je sais plus, et puis qui sort un plan sur SketchUp, tout vraiment pas mal quoi. Je me dis putain, c'est bien ici, les moniteurs ils participent à tout. Ils font même des plans, tout ça. Et puis je me rappelle en plus, on sort de la réunion du comité de gestion là, je me mets à côté de toi et puis en marchant je dis bah, c'est bien ton plan là et tout, alors on pourra se voir pour finaliser ça, comment on fait. Et je fais bah salut, moi c'est Manu, je suis menuisier ici. Et tu me dis oui je sais, ton arrivée, on savait que tu arrivais. Et je fais, alors tu travailles où toi ici? Mais assez comme un enfant en fait, je suis arrivé, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait gaffe à rien du tout quoi. Et là tu me dis, non mais moi je travaille pas ici, je suis pensionnaire. Et
Enfin, là, il me fallait des ailes, quoi. Enfin, je me suis dit, mince, comment je fais? Enfin, j'étais un peu gêné, même si j'ai senti que j'avais pas été. Que c'était pas. C'était juste une petite maladresse, mais qui était pas grave, en fait. Vraiment pas. Mais ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, ah oui, mais alors attends, réfléchis, Manu. C'est pas. Faut sortir, enlève tout ce que qu'on t'a mis dans la tête, remets-toi à zéro et vois ce qu'on peut t'apporter. Et ce qu'on... Parce que ouais, moi je me suis dit, ah mais d'accord, il est pas, ok, il est pas moniteur. Enfin, il y a tout un truc comme ça à la borne, mais qui est vraiment intéressant, c'est que tout est mélangé en fait. Hein, on rencontre des gens extraordinaires et puis il laisse l'opportunité de les rencontrer. Ou Rim m'a laissé l'opportunité de les rencontrer, les gens. Parce que en me répondant, je vous fais confiance, vous verrez bien. Au lieu de me dire, alors attendez, lui, faites attention, lui, vous allez voir, il est un peu comme ci, il est un peu comme ça. Non, il m'a laissé atterrir là et puis rencontrer les gens, comme ils sont. Avec d'autres où juste je les voyais, je me disais, oula, non, toi ça va pas aller, toi ça va aller. Mais il m'a permis de me laisser faire mon truc, en fait, de rencontrer. C'est vraiment le mot, je pense, ici, c'est la rencontre. En fait, voilà, tout simplement, ils m'ont attaché. Ils m'ont baissé le froc. C'était de l'humiliation, quoi. Moi, j'y vais bon, 48 heures, c'est court. On peut quand même en parler, je pense. Mais je suis arrivé, en fait, et puis il y a un des enfermés qui nous dit... Vous savez pourquoi vous êtes ici? Vous savez, ils sont un peu méchants, quoi, tu vois. Je trouve ça un peu pervers, puis un peu brutal. Un peu brutal, quoi. Déjà, décider à la place de quelqu'un, je pense que c'est pas normal. Qui a décidé pour toi? Le préfet. Explique un peu. On a mis en HO. Il a fait genre un HO, c'est une hospitalisation d'office. C'est le préfet et je pense que c'est le préfet et le médecin. Enfin, je sais pas exactement, mais je crois que c'est le préfet et le médecin qui a... Ils disent bah voilà, il faut interner parce que soi-disant les... je sais pas, il peut être dangereux pour autrui, quoi. En ce qui concerne les grillages, que je ne peux m'empêcher de visualiser comme des murs, ceux de l'asile dont parlait Roger Gentis, car ils symbolisent ce que nous avons dans la tête et surtout ce que la société érige pour se protéger de la folie, étant bien sûr que ce grillage
est un rempart imparable pour prévenir les fugues. Interrogez les soignants, ils vous diront quels stratagèmes les patients sont capables d'inventer pour fuguer. Interrogez les patients et ils vous raconteront de quoi ils ont été capables lorsque l'angoisse les submerge et que l'enfermement devient insurmontable. En tant que soignante, je m'interroge également sur les risques d'une chute de 4 mètres de haut, car je ne doute pas une seconde que certains s'y essayeront. Admettons que plus aucune fugue ne soit possible, puisque c'est bien cela qu'il est demandé. Toutes les issues sont fermées. Il en est une qui permet une fuite radicale, du moins une façon de fuir l'insupportable. Elle se pratique beaucoup actuellement en prison. On peut laisser tomber ce côté arrivé. Et puis, ce qui m'intéressait dans ces deux, dans ce labo, c'est ce côté bicéphale, ce côté d'une construction à deux personnages, différents en plus. Un personnage sédentaire et un personnage régulier, je sais pas, peut-être besogneux au sens, sans que ce soit péjoratif. Quelqu'un dans la régularité, puis quelqu'un dans la... d'explosif, dans la... Deux personnages, pas aux antipodes, mais qui forcément allaient fabriquer une tension. Et dès le départ, c'est ce que je, c'est ce qui m'a semblé le plus fort ici. Alors, moi j'arrive en fin de cette période-là, mais y a, la fin, y a pas, ça s'arrête pas, je pense, ça s'arrête pas avec le décès de Guattari en 92. Les effets de ce qu'ont construit ces deux types-là ont perduré pendant, pendant pas mal d'années. C'est peut-être aujourd'hui qu'on commence à voir les effets de cette construction et cette, cette dynamique s'affaiblir. Ça, c'est pas, il n'y a pas eu une coupure nette comme ça. Et pendant longtemps, on a vécu sur ce fond, sur ce... sur cette énergie-là, bien au-delà du, de la disparition de Guattari. C'est ce qui me semblait passionnant, parce que c'est rare une expérience comme ça, où il n'y a pas une univocité ou un consensus. Comme si c'était, en les lisant, on s'en rend compte, hein, forcément, un conflit, ils sont dans le même bateau, mais pas en train de prêcher la même ou de dire la même chose. Donc là, il y avait quelque chose qui pouvait me passionner par rapport à ça. De dire que j'arrive sciemment pour cette raison-là, a posteriori. Oui, mais c'est faux. Je trouve par hasard cette histoire-là.
on a l'impression que la cuisine c'est au deuxième plan. On vient ici, enfin moi personnellement je viens ici déjà pour voir les pensionnaires et après bon, bah, je fais mon boulot de faire la cuisine, mais en priorité c'est vraiment pour voir vraiment voir tous ces gens, toutes ces personnes me raconter ce qu'ils ont fait le soir ou s'ils ont bien dormi, s'ils sont levés, s'ils n'ont pas dormi ou si ils ont eu des soucis pendant la nuit ou quand je suis en congé ils me parlent de ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Ou, c'est vraiment bien. Tiens Agnès. Oui. Attends, ça, je reçois. Bonjour. Salut. Bonjour. Voilà. Je vais vous photocopier. Comme ça, moi je peux te donner. Je vais te donner ce qu'on t'a besoin. Pour partir. Alors, Jean-François, t'as pas exemple un peu une boîte. C'est toi qui dois venir chercher, quoi. Ah, c'est pour qui, c'est marrant. C'était pas ton français qui devait venir. Non, non, mais non. Et d'Albol de Canos, c'est ça. Ah. Ouais. Non, c'est, tu me dis quoi, c'est pour c'est pour le parc, c'est pour Mathieu. Non, c'est pas pour Mathieu. C'est pour, comment ça s'appelle Christophe Arand qui fait une entrée qui en a besoin. Oui, mais c'est le moniteur Mathieu qui t'a demandé de venir chercher ça. Ah, c'est non, ça non, c'est une infirmière. Oui, là, attends, je vais le rappeler parce que là. Une blonde. D'accord, ouais, mais. C'est la même chose ou pas la même chose? Alors attends, parc c'est. Toc, toc, toc. 77 du vin. D'accord. Mathieu est près de toi? Ouais. D'accord. Donc en fait c'est bien pour. C'est, parce que c'est, j'attendais que le printemps, c'est Jean-François, c'est normal. D'accord. Ah oh, oui, bah d'accord. Donc il y a, voilà. Donc je lui donne tout ça, Jean-François. Ok. Jean-François? Ouais. Tiens, c'est bon. Hop, tu donnes ça à la fermerie, hein? Ouais. Ok, ça marche. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils sont sympas, mes jeunes collègues, ils font plein de choses, j'espère que... Tu parlais du temps, j'espère qu'ils ont le temps. Ah oui, la question de ces instants de dentelle, c'est des instants de temps, ça, il n'y a pas d'histoire. C'est ce que tu disais d'ailleurs, Geneviève, ce matin, à propos du comité loisirs. C'est-à-dire que si tu n'as pas, si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas ton après-midi devant toi, pour potasser, par exemple, le journal illisible des rendez-vous de l'histoire, si tu n'as pas l'après-midi devant toi, j'allais dire, moi, ça ne sert à rien. Parce que les gens, ils ne restent pas en place, il faut qu'ils puissent partir. C'était pareil pour l'atelier photo. Il fallait vraiment avoir du temps. Il faut supporter, quand on fait un atelier à la Borde, il faut supporter, et ça c'est pas toujours facile, il faut supporter de ne pas bouger. Il faut que les gens, ils aient le temps de partir, d'aller fumer leur clope dehors, de boire un coup, de t'abandonner, de... et puis qu'ils reviennent et tu es toujours là. On est dans une position à la limite parentale. On est garant de la continuité du temps. De la continuité d'existence. Et pour être garant de la continuité d'existence, il faut avoir du temps devant soi. Il faut que les gens puissent partir et revenir et t'es toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il faut être là éternellement du matin au soir, mais il y a une espèce de sentiment du qualitatif ordonné au temps, comme ça. Or ça, c'est quand même... moi, j'ai l'expérience de l'atelier photo que j'ai fait pendant très longtemps. Et ben, c'était très compliqué à tenir. C'est compliqué d'arriver par à rester seul. Parce que tu as un peu le sentiment qu'on va venir te voir et te dire, ben non, il n'y a personne à ton atelier photo. Eh bordel, il y avait 4 personnes il y a 5 minutes et il va y en avoir 3 autres dans 5 minutes, mais ah, momentanément, tu es tout seul. Et c'est très compliqué cette histoire-là. Comme si on était pris dans un fantasme de production.
comme ça, t'es pris dans un fantasme, y compris dans ça. Oui. Il faut avoir le temps de l'inutilité, il faut avoir le temps de l'inutilité, le temps de la non-production. Alors, par contre, si on s'autorise ce genre de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au SAM, mais on l'a aussi par rapport aux ateliers. Je veux dire, si on a le temps de rester, de traînasser, moi j'ai des souvenirs de Josiane ou de Dominique ou de virée qu'on faisait dans la borde à faire des photos ou des choses comme ça. Et où tout d'un coup, il y avait une espèce d'instant de grâce comme ça, où, parce que Josiane avait vu, grande querelle, Josiane et moi on se disputait tout le temps, on avait le même coup d'œil. C'était épouvantable, on a passé notre vie, on continue, à se disputer parce qu'on avait le même coup d'œil. Alors elle disait, ah non, c'est moi qui l'ai vu, je vous assure, c'est moi. Ah je dis, non, Josiane, c'est moi qui l'ai vu. On avait vu la même chose, on voulait prendre la même photo, on avait le même coup d'œil, c'était terrible. Mais alors, quelle formidable chose quand même, de se battre parce qu'on avait le même coup d'œil. Mais pour ça, il ne faut pas dire, attends, là, maintenant, je me taille parce que j'en ai fini. Enfin, il faut avoir un petit peu de... Il faut pouvoir supporter le reste du temps où c'est moins gratifiant. C'est-à-dire, les instants, au fond, il faut savoir gérer le gratifiant et le frustrant dans la borne. Hein. Il y a un instant de gratification, c'est la grâce absolue, et puis le reste du temps, les yeux sont bouchés, etc. Qu'on est seul finalement. Je suis profondément persuadé de ça. Finalement, on est seul quand on essaye d'être dans cette zone, dans la zone du pathique. C'est une zone, et là j'arrête, c'est une zone antilogique. D'autant plus qu'on est avec plusieurs, d'autant plus qu'on est seul. C'est pas un paradoxe, c'est pas une contradiction, c'est une contradiction pleine de sens. C'est l'antilogique. Enfin, un des exemples. On ne va pas analyser au niveau logique aristotélicienne la contradiction. Non. Elle est pleine de sens. C'est l'antilogique. Eh bien, c'est cette logique-là qui est primordiale, qui est la vraie logique dans cette zone de la souffrance. Mais ben, ça mène beaucoup. Pour tenir dans cette zone, d'étudier la langue illogique. Et c'est fascinant. C'est une découverte aussi. Amen. Alléluia. T'as démarré? J'en sais rien. On
On se demande à chaque instant qu'est-ce que je fous là. Ou qu'est-ce qu'on fout là. Sinon on va se... On va se... figer. Même si on se pose la question, hein, il y a toujours le risque de se figer. Mais poser la question, c'est très important, mais il faut quand même aussi essayer d'articuler un peu de là que j'ai dû faire un livre, il y a un moment déjà, sur qu'est-ce que je fous là. Vu dans quel ensemble ce qui est fait que la souffrance existe et la manière dont toutes ces dimensions-là de la vie est complètement rayée. Rayée, c'est peut-être un grand mot, mais transformée dans quelque chose de presque, presque, de confortable, c'est terrible. Eh bien, on se demande alors, qu'est-ce que je fous là dans ce déni? Mais c'est très paradoxal. Parce que du fait qu'il y a du déni, du fait aussi, qu'on puisse toujours approfondir cette question dans ma manière d'être, tu le sais bien, je ne vais pas l'expliquer. Fais ce que je peux. Je peux pas m'arrêter à m'identifier à quelque chose, à quelqu'un. Donc je saute d'un point à l'autre. Et sauter, c'est quelque chose de qualitatif. C'est quelque chose qui empêche aussi qu'on arrive dans quelque chose de vertigineux, où on se perd. Et donc c'est à chaque fois une surprise, je vais je passe par le pilotis. Hein. Tu viens ici. Je fais là, je fais ça, je fais ça, je fais rien. Et ça y fait toujours émerger quelque chose. C'est un lieu extraordinaire parce qu'on peut à la fois être avec les petits et avec les grands. Et supporter les grands parce qu'il y a toujours un petit en eux. Et être bien avec les petits parce que c'est permis. On peut traverser les conneries. Et donc voilà, ça permet qu'on peut rassembler à travers ce qui passionne. Sans oublier. Sinon, qu'est-ce que je fous là n'aurait aucun sens. Sans oublier. Qu'on partage chacun là où il en est. C'est pas toujours évident. Ça m'énerve aussi, qu'on partage la souffrance, c'est-à-dire la mise à l'épreuve, c'est-à-dire le pathique. Donc ça m'aide de me retirer, d'être dans le retrait chez moi ou je ne sais pas où, et de travailler, de ne pas réfléchir, de pouvoir penser, de travailler, de partager avec les gens qui ont mis en œuvre leurs épreuves, leurs expériences. Donc après, qu'est-ce que je fous là? J'ai traduit Pathosophie. C'est sorti maintenant. C'est un long travail, seul et ensemble. Pour nous rendre compte à chaque fois avec quoi et où on est pour pouvoir vivre cette question dans les tripes. Qu'est-ce que je fous là? C'est-à-dire là où la maladie nous tombe dessus. Là où on est touché. Inexistant. J'étais là sans y être. Maintenant, je ne suis pas. Inexistante. Zombie. Figée dans un maintenant perpétuel avec le risque de la conscience. C'est autant qui me terrifie le plus. Le hors-temps n'existe pas. C'est une défense. Tout est asséché, aseptisé, amputé de larmes.
quand il n'y a de temps que l'ennui, quand il n'y a d'ennui que le temps, tant qu'il n'y a de temps que l'angoisse, figé là, plus mural qu'un mur, plus massif qu'une roche de celle que l'on monte, et indéfiniment de son sommet redescend, plus figé que l'ennui. Parler, c'est la chose que je sais moins faire. Je n'entends plus. Inexister, c'est tout. Je reste inscrite. Dans un état de morcellement total, non délimité et sans contour. Morcelé avec des grands pansements. Investissement, transfert institutionnel collectif sur la borne, pas sur les gens. Comme je peux, sans inscription encore dans les grilles. Comment continuer à travailler sans des trames vécues. Bonjour.
parce qu'après ça. À bientôt. Ouais, on est en train de parler des androgynes. T'as déjà fait la Gay Pride? Jamais. Jamais. T'as été? Non, jamais. Pas que ça vaut le coup d'œil. Moi, je... Ça m'intéresse pas, ça t'intéresse pas. Moi non plus. Il y a une boîte de nuit sur le Champs-Élysées qui s'appelle... je sais plus son nom. Où il y a les VIP. Voilà. Où il y a les VIP. Le Queen. Où il y a des... Les VIP. Il y a des... Comment on appelle ce mec-là? Drag Queen. Drag Queen. Il y a des Drag Queen. Drag Queen. Mais c'est pas le genre de sujet qui me passionne. C'est pas le genre de sujet qui me passionne. Ouais. Tu sais que parfois il y a des choses qui sont... C'est comme l'humour. On dit des choses sérieuses, souvent de la rigolade, et ça fait sourire. Et c'est très très grave, mais on préfère en rire. Les drag queens, c'est la même chose, hein. On en rigole, c'est pas méchant, sont un peu des petits enfants perdus, sont gentils homosexuels, c'est pas grave, sont un peu perdus. Mais si tu savais à quel point ils sont tristes par moment, dans leur tête là, le mot moral ça résonne quand même, hein. Tu savais à quel point ils sont tristes. On dit les trangles. Pourquoi tu posais la question? Parce qu'on parlait des androgynes. La différence entre androgyne et hermaphrodite. La radioactivité. Thank you.
La marie-jeanne. Oui, c'est là. Les lettres de mon père. La boule. Tu crois que c'est photogénique une cigarette?
C'est vrai que je suis dissociée. Et le docteur Houry, ça me met en colère.